sacré bonhomme, cet Alfonso. Comment vous êtes tombé dessus et pourquoi Fondaction le met en avant? Eh bien, vous savez, c'est bien simple. C'est que le principe de Fondaction d'Alsace, nous ne cherchons pas les dossiers ou les personnalités. Nous demandons aux gens de faire acte de candidature. Ce qui d'ailleurs sélectionne déjà pas mal de candidats parce qu'il faut avoir le courage de présenter sa candidature et éventuellement de perdre. Donc Alfonso a présenté sa candidature pour son groupe Gospel Kids. Et le jury qui s'est réuni au mois de juillet l'a retenu parce que c'est un type assez extraordinaire. C'est un tchatcheur de première. Il a convaincu, il a séduit le jury et qui lui a donné donc un prix pour l'encourager et lui permettre de se développer encore. Sept prix cette année, dont un attribué à Claire Auduit. Sa mère déjà avait eu un prix il y a quelques années et maintenant c'est la fille qui a pris un autre relais et elle a fait acte de candidature pour l'opération qu'elle engage qui s'appelle assez curieusement Rodéo d'âme, D apostrophe âme, comme les âmes des défunts. Et d'ailleurs il s'agit en fait de défunts pour la plupart puisqu'elle est en train de recueillir les chants, les dessins qui ont été faits dans les camps de concentration par des déportés pour essayer de survivre et d'oublier un petit peu, si tant soit que c'était possible, pour oublier un petit peu leur environnement triste et maussade et sinistre et de mort. Qu'est-ce qui doit séduire Fondaction Alsace pour décerner un prix? Alors ce qui doit séduire, c'est d'abord que le projet soit en exécution. Il ne s'agit pas d'encourager des idées un peu fumeuses auxquelles on donne un coup de pouce pour leur permettre la réalisation. Il faut déjà qu'il y ait au moins un début d'engagement et un début de réalisation. C'est la première chose. Il faut qu'il y ait une originalité et que même si parfois nous donnons un coup de chapeau, comme par exemple Rodéo d'Arles, au passé, il faut que ce passé permette la mémoire, c'est-à-dire une projection vers l'avenir. Et nous disons souvent que nous sommes des incubateurs d'avenir et pas des protecteurs du passé ou du patrimoine. Donc l'essentiel, c'est un, être innovant, être déjà engagé et se projeter vers l'avenir. On est également dans le développement durable avec Eolta. Eolta, c'est du développement durable puisqu'il s'agit de créer ce qu'ils appellent parfois un aérocube, c'est-à-dire une éolienne individuelle qu'on peut installer comme une cheminée sur un toit dans une maison individuelle ou un collectif. Ce qui est assez extraordinaire parce qu'au fond, cette éolienne individuelle permet d'alimenter partiellement ou de couvrir partiellement la consommation du propriétaire de la maison ou des appartements. C'est donc un moyen de lutter contre la pollution, y compris contre certains reproches qu'on donne aux éoliennes, c'est-à-dire qu'elles sont bruyantes et parfois défigurent le paysage. Là, ce n'est pas du tout le cas. À quoi sert Fondation Alsace, sachant que vous êtes devenue association d'utilité publique? Alors, Fondation Alsace sert à deux choses. La première chose, elle sert à détecter des talents qui, sans nous, peut-être resterait inconnu et n'arriverait pas à émerger. Et la deuxième chose, donner un coup de pouce à ces talents qui émergent, à ces talents qui se confirment pour leur aider, pour les aider à aller plus loin. L'année prochaine, nous lancerons officiellement Réseau Talents d'Alsace, qui sera un réseau d'entraide entre anciens lauréats de Fondation Alsace pour essayer d'aider les nouveaux, les jeunes talents d'Alsace, et même des gens qui n'auraient pas passé par Fondation à réaliser leur projet. Dernier point, vous demandez qu'on vous envoie des dossiers et vous allez également chercher les gens qui ne déposent pas. Est-ce que vous avez vos propres coups de cœur? Alors nous avons nos propres coups de cœur puisque nous avons deux séries de prix. La première série, ce sont donc les prix talents d'avenir. Ces prix-là, eux, sont désignés par un jury élargi qui se réunit une fois par an. Et la deuxième série de prix, c'est le prix d'honneur, le prix Guy Hourisson, le prix spécial. Des prix qui, eux, sont délivrés par le comité de Fondation Alsace. Qui, chacun propose un certain nombre de noms et nous votons. Ça sera quand la remise? C'est le 22 octobre de cette année, donc le 22 octobre à Liliane. Merci beaucoup Alain Auville.